صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بيقول الكاتب الفرنسي المشهور الكسندر دوما بير الاب: كاسكو ليستوار ان كلو اوكيل جاكروش مي رومان. ما هو التاريخ؟ هو مسمار بعلق عليه كل رواياتي. اكيد التاريخ هو بمثابه اساس للكثير من الروايات اللي بنقريها. في كثير ناس وكتاب وروائيين بياخذوا التاريخ ك اذا فينا نقول مصدر ليستوحوا منه روايتهم، ولكن كمان خيالهم بيلعب دور كثير مهم. واليوم بفقرة كتاب بيشرفني استضيف الكاتبة الفرنسية اللبنانية ستيفاني نصيف. أهلا وسهلا فيك، بوزيت لا بيانفوني. رح تكون مقابلة باللغة الفرنسية لأنه ستيفاني بتفهم منيح العربي، ولكن بتفضل أكيد أنه تحكي باللغة الفرنسية. دونك سي فوتر بروميير أباريسيون سور إن تيلي بور بارلي دو فوتر دونك رومان هيستوريك لا لوينتان. Que vous avez publié donc aux éditions L'Harmattan en France. Ça, oui. Il y a presque très peu à la fin de l'année 2011 en fait. D'accord. Novembre 2011. On a une rivière tarihie que tu as écrite Stéphanie باللغة الفرنسية اسمها لا لوينتان لو ساكريفيس دو لا نوبي. بتحكي اكيد عن منطقة بجنوب مصر، ورح نكتشف سوا اكيد القصة الجميلة جدا. دونك جو في فو بريزونتي او بوبليك. دونك ستيفاني نصيف من مواليد غان بفرنسا سنة 1974، هي اكيد من اصل فرنسي ولكن متزوجة للبناني، وحائزة على إجازة بالهندسة المياه والأحراش ومن جامعة أنغريف بنانسي، ومن ثم تخصصت بكتابة الأعمال العملية العلمية ضمن مشاريع حكومية. دونك تعرفت ستيفاني على عالمين، العالم الشرقي والعالم الغربي اللي بتنتمي له، ومن هيك بكتابها بتجرب أنا بقول تعرف للقراء الغربيين، تعرفهم على الحضارة الشرقية. Donc vous êtes de nationalité française, mariée à un Libanais. Exactement. Vous vivez maintenant au Liban. Oui. Et vous avez donc vécu beaucoup en France, un peu moins au Liban. Donc vous connaissez les deux cultures. Voilà, et on remarque vraiment cela dans votre livre. Qu'avez-vous pu extraire de la culture orientale, et quelque chose qui vous a peut-être un peu plus enrichi? Déjà, le fait d'avoir une double culture, c'est tellement enrichissant. En fait, on apprend beaucoup de choses. Le respect, la tolérance, essayer de comprendre l'autre avant de le juger. Donc déjà, c'est énormément. Et j'avoue que, en fait, j'ai appris énormément au travers de cette relation, au travers des gens, au travers de l'histoire du pays. C'est vrai que c'était vraiment très enrichissant. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu apprendre à ce niveau-là. سألت ستيفاني انه شو تعلمت من فينا نقول المجتمع او الحضاره الشرقيه هي كغربيه، قالت لي مجرد انه واحد يكون عنده انفتاح على الثقافتين الغربيه والشرقيه هذا ديجا بيكون كثير واحد عم بيغتني بالمعلومات، وتعلمت كثير انه واحد لازم يحترم الاخر وينفتح الى الاخر ويعرف يتعلم انه يكتشف الاخر تيقدر يتفهموا ويتقبلوا، وهذا اكيد شيء واضح بكتابه اللي رح نحكي عنه. Vous êtes donc une passionnée de l'Égypte. Tout à fait. Et vous avez fait de nombreuses recherches, surtout sur une région prénommée la Nubie, qui est dans le sud de l'Égypte. Oui. Dont vous parlez beaucoup dans votre livre La Lointaine. Pourquoi avez-vous choisi l'Égypte et surtout la Nubie? Donc, tout d'abord, je suis, comme vous l'avez dit, passionnée d'Égypte. Donc j'ai lu beaucoup de romans, je me suis intéressée beaucoup à l'histoire de ce pays, surtout au sud de l'Égypte, au niveau de la Nubie. J'ai voulu apprendre un petit peu plus à connaître les gens qui habitaient dans ce territoire. Et par les lectures que j'ai faites, j'ai été émue par le destin de ces gens et j'ai eu envie d'écrire une histoire sur ces personnes.
Donc le roman se base sur un fait historique, la construction du barrage sur le Nil. C'est une histoire romancée qui va suivre le destin d'un jeune homme tout au travers du livre, avec les différents épisodes de sa vie et le destin de la Nubie. Exactement. Stéphanie, عندها شغف لمصر مع انه vous n'avez jamais visité la Je n'ai jamais visité مع انه بعد ما زارت مصر ولكن وقتها نقرا الكتاب نفكرها عاشت مع الشعب المصري وعانت معهم قبل. هي عندها شغف للمصر مثل ما قلنا وعملت ابحاث كثيره حول مصر وخاصه منطقه نوبي اللي هي بجنوب مصر وحول اكيد الشعب النوبي اللي مثل ما ذكرت هي بتحكي يعني بكتابها فينا نقول هي روايه اكيد فيها قصه فيها حب فيها عائله ولكن فيها كمان قصه شعب عانى وخاصه لما صار في سد باسوان ولما المي ما عادت تجي وتروي الاراضي والنوبيون اكيد انه ما عادوا يقدروا يعيشوا من وراء هالمشكله الكبيره. دونك كوم فوز افي ديجا دي فوتر رومان هيستوريك رتراس ليستوار دا جون ادوليسون فارجون. Voilà, Fargoun. Fargoun, un adolescent de 14 ans qui vit donc en Nubie, au sud de l'Égypte. Et donc sa vie est rythmée, comme vous avez dit, selon les saisons. Voilà. Et donc il est content que la lointaine lui ramène toute cette eau. Jusqu'en 1902, lorsque le premier barrage est édifié, et surtout en 1964, donc on voit que c'est presque 60 ans après, voilà, il y a la réalisation du lac au sud d'Aswan. Et c'est là que vraiment le peuple nubien voilà, commence à disparaître à cause de la sécheresse. Est-ce que les fêtes qu'on lit, et l'histoire, elle est basée sur des fêtes réelles? Oui. Historique ou oui. C'est totalement créé? Non, non, c'est tout à fait. C'est-à-dire que dans les recherches que j'ai faites aussi, je me suis intéressée à la vie des Nubiens, à leurs traditions, aux coutumes. Donc j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, des thèses qui ont été faites, donc très bien étudiées. Et toutes les fêtes qui ont été énommées ici dans la première partie qui est descriptive et qui explique comment vivent les Nubiens, ça s'appuie sur vraiment des fêtes qui existent. Vous avez fait des recherches? Voilà, tout à fait, de grandes recherches. C'est pour ça que c'est un roman historique aussi, ça s'appuie sur des faits véridiques en fait. Oui. Sans que ce soit pour autant un recueil de dates, c'est pas du tout ça, mais à partir de faits véridiques, j'ai essayé d'imaginer une histoire pour raconter l'histoire de ce peuple qu'on ne connaît pas du tout. On le connaît à travers les vieilles pierres, à travers les monuments, mais par contre on ne connaît pas du tout l'histoire de ce peuple qui quelque part a été sacrifié pour le développement de l'Égypte. Donc aujourd'hui il n'existe aucun Nubien. Si, alors en fait, ils ont été dispersés. C'est-à-dire que la Nubie n'existe plus. Il existe une nouvelle Nubie, un territoire qui est un petit peu plus à une centaine de kilomètres au nord de l'endroit où ils habitaient. Mais ces Nubiens, en fait, ont été transférés vers un autre territoire. Et donc, ils ont dû s'adapter à un nouveau contexte. Le territoire qu'ils s'occupent maintenant est totalement différent de ce qu'ils occupaient avant, puisqu'avant, ils étaient sur le bord, sur les rives du Nil. Voilà. Maintenant, ils sont sur un plateau désertique, donc c'est vraiment tout à fait différent. Et ce qui est fort à travers ce livre, c'est de voir aussi comment les Nubiens ont pu s'adapter à des situations tellement différentes et comment ils ont pu survivre, maintenir toutes leurs traditions malgré tout ce qu'ils ont pu subir en fait. Donc c'est aussi ce que veut montrer ce livre, que malgré tout ce qui peut se passer autour de soi, il est possible.